Et salut à toutes et à tous, c'est Goman sur YouTube, j'espère que vous allez bien car moi ça va très bien. Aujourd'hui on se retrouve donc sur le serveur Evil Sword, donc le lien sera en description, pour vous présenter un peu le serveur et tout. Donc je vais vous présenter mon Torchest. On voit donc des petits dessins, des petits futurs FP4 que j'ai trouvé dans un pillage, voilà, plus ça, voilà quoi. Donc ça c'est mon stuff habituel quoi, voilà. Donc on va aller au Foam qui s'est fait piller malheureusement. Mais on a une autre base les gars. Parce qu'on a, en fait on a déplacé, donc c'est ça. On a déplacé les coffres et tout. Donc du coup en fait on a encore la stuff. Là c'est Tique Dave, en fait il nous a trahi. Mais on a tout déplacé. Oui, il n'y a plus rien dans les coffres. Ils ont tout cassé ma déco. Enfin voilà ma déco, bah, du coup elle est cassée quoi. Donc voilà, donc c'était une petite base hein, de, comme ça, voilà. Il n'y a plus de spawner normalement. Non, il n'y a plus de spawner. Ouais, donc là on va aller donc à notre vraie base. Donc je vais pas montrer les coordonnées par contre. Hop. Ok, je rec dit CC YouTube. Voilà. Donc ça c'est notre base. Donc avec tous les P4 et tout, là c'est le psy, là c'est le stuff, bon là le stuff en fait il est plus... là c'est les arcs et tout, enfin là c'est les arcs pas cheatés, là c'est les arcs cheatés, là c'est les flèches, c'est tous les stuff P4, bon voilà quoi. Donc pour information on est une grosse fac, voilà. On va aller... Oh, plusieurs warps, donc dédicace à toute ma fac bien sûr, hein, Goku Shen, Tixier et tout, Goldcraft, Yorubitin et moi. Enfin, je vais pas me faire une dédicace à moi, enfin voilà quoi. Donc on va aller voir la banque, donc c'est 5000 Icar coin, donc quand en fait slash store. Attends, je vais vous montrer. Slash store, vous pouvez acheter des grades, donc voilà, donc c'est des Icar coin, c'est grâce au site. Là c'est les kits. Donc vous pouvez acheter des kits, voilà. Ça après c'est les kits, donc le truc de sort, donc voilà, lui c'est le meilleur. Enfin là ça c'est vraiment pété. Mob spawner, vous pouvez l'acheter à Pigman et tout. Les dollars IG, donc ça veut dire avec votre truc que vous êtes dans le site, vous pouvez acheter genre 50 000 dollars IG pour 1000 trucs, donc je crois que vous êtes 10 ans, un truc comme ça. Donc ça c'est les atouts, donc voilà. Ça c'est divers, donc pour acheter des œufs de creep, une H305, clé magique, bon ça va en cheater les clés magiques, hein, je peux pas dire, mais voilà, super pioche. C'est les commandes, donc slash near, report all, éclair inventory. Là c'est les banques, donc 5000 cartes, donc voilà, vous pouvez avoir deux coffres. Slash warp HDV, c'est HDV en PL. Vous faites slash HDV, bon pire. Donc là vous faites HDV, là vous avez la stuff, donc okay. Ça c'est le truc de spawner. Vous faites, moi j'ai par exemple 1700, voilà il y a des trucs, donc voilà, P4, voilà, P5, full P5. C'est genre c'est pas une, c'est pas un serveur cheaté, mais c'est le truc noël et tout, P4. Et après vous avez l'HDV2, mais là pour l'instant il y a... Ah non c'est la Maybox. Là il y a une poubelle. Slash warp. Donc mine. Voilà, donc nord, PVP et sud. C'est le truc de... Bah, dessus, enfin pour sortir en Warzone. Et la staff, nous on n'a pas accès. Slash warp staff. Warp staff. Ah si on a accès. Bah, on ira après. Ah trop tard. Voilà, donc c'est tous les membres du staff, voilà, builder, modérateur, fondateur et tout, donc ouais, slash warp min, pour vous montrer, en fait ça donne pas d'XP, mais ça donne, que je vais vous montrer, je suis désolé si ça bug aussi, je pense, je vais avoir un nouveau truc de montagne, ouais, vous récoltez et vous l'avez, voilà, c'est une mine qui est vraiment bien faite, vous pouvez récolter tous les minerais, par exemple, puis vous pouvez et tout, alors, lui vous pouvez pas, mais vous pouvez genre ça, voilà, il y a plein de trucs et tout, donc voilà. Slash spawn, on va présenter un peu le spawn aussi. Aussi, je sais pas si on recrute dans la fac, attendez.
Voilà. Alors, donc là, ça c'est une nouveauté. Voilà, sèche menu. Menu. Ah oui, ça c'est pour les boutiques, staff, information et tout. Donc, voilà, n'hésitez pas à y aller. Donc la banque et tout, donc slash P1. Moi j'en ai pas, mais voilà, vous pouvez en avoir. C'est le lien utile. Donc, voilà. De toute façon, je mettrai pas l'IP en description vu qu'il y a là. Donc c'est Icaria.fr, le site, le forum c'est. Pas si l'IP ici, mais. Icaria, attends, je vais reprendre juste un screen. Voilà. Support pour Icaria et tout, TeamSpeak, voilà. Ça, c'est le TP aléatoire, donc vous rentrez dedans et ça vous TP aléatoire. The Time Spawn, je vous ai tout montré. Donc là-bas, c'est vers là, c'est la Warzone. Hop, ok, lui il est fou P2 ou P3. Donc je vais vous montrer un peu. Ok, le Blue. Donc je vais vous montrer un peu. Enfin, je vais vous montrer un peu. Regarde, voilà, c'est notre base, donc de couche top C. Donc là, il y a une, deux, trois, quatre, cinq, il y a six couches de psy, voilà, et plus de la pierre qu'en haut. Cette base est vraiment cheatée. Donc je pense pas qu'on sauf on peut pas use bug, donc ça c'est bien, on peut pas use bug, ni bateau et tout. Qu'avec les creepers, et les creepers c'est vraiment chaud. Par contre là, ah non, ça c'est derrière, je crois. Ouais, c'est derrière. Donc voilà. Ah, c'est. Ah non, c'est qu'ils ont pas fini encore à mettre. Okay. Donc ouais, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un like pour cet épisode 1, donc de présentation de serveur et de la base. Vu que c'est un base tour. Donc la base n'est pas encore finie, donc ouais. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un gros like, un pouce bleu et à vous abonner. Allez, salut!